Bon ben salut tout le monde, on se retrouve comme toutes les semaines maintenant pour le live Hot Lap. Cette semaine c'est l'Audi R8 LMS Ultra, donc la version 2014, faut pas se tromper. La version 2016 avait déjà été programmée il y a quelques temps. Donc faut pas se tromper de version, sinon votre temps sera pas enregistré. Donc comme d'hab, on va commencer avec un tour que je vais essayer de commenter, mais qui sera peut-être moins utile que les autres fois puisque c'est une GT3. Donc globalement les repères de freinage et tout ça, vous devriez être plus les connaître un peu mieux. Par contre, c'est une GT3 qui est pas hyper facile à piloter parce que comme c'est une Audi, ça s'ouvre et donc il faut avoir une certaine anticipation des trajectoires pour pas rater les points de corde. Et ensuite ne pas réaccélérer trop tôt dans le virage pour ne pas sortir trop large. Donc c'est vraiment une petite adaptation à faire au niveau du pilotage, sauf si vous avez un setup miracle qui vous permet d'effacer totalement ce sous-virage, mais ça m'étonnerait. Donc il faut vraiment essayer d'adapter son pilotage pour que ça marche bien, quoi. Donc on va nous remettre la petite vue cockpit. Et c'est parti. Hop là, deuxième, on accélère tranquille. On freine à la fin du rail, on met la deuxième, on l'amène bien à l'intérieur et on réaccélère tranquillement pour essayer de toucher le vibreur qui est à droite. Ici, il faut faire un petit lift puisqu'elle s'ouvre. Pas laisser prendre le rail sur la gauche. 4, on remet la troisième, on reste bien à l'intérieur, on réaccélère tranquillement. On peut remettre la quatrième momentanément, on met la troisième. On reste en troisième. On freine assez tôt, on reste bien à l'intérieur et on réaccélère en mettant le volant droit. Voilà, on sort tranquille. Ici facile. En haut, il faut aussi faire un petit lift puisque elle s'ouvre. Bon, ici c'était pas idéal comme trajectoire, mais il faut lâcher un petit peu l'accélérateur avant le premier point de corde pour éviter de sortir trop large après le deuxième point de corde puisque ça s'ouvre pas mal. Ici aussi, il faut lâcher un peu plus l'accélérateur qu'avec les autres GT3 pour pas qu'elle parte trop à droite. Ici toujours le point de freinage, c'était le changement de tarmac. Ici normalement on reste bien à l'intérieur et on réaccélère tranquillement, pas trop tôt parce que c'est un des virages dans lequel elle sort assez large. Donc il faut réaccélérer assez tard. Ici toujours le même point de repère, le panneau blanc, on met la cinquième. On tombe en 3. Deuxième, on reste bien sur la gauche. Et on réaccélère tranquillement. Ici, le virage rapide, pareil, il faut faire un petit peu, lâcher un petit peu plus l'accélérateur. Moi, je mets un petit coup de frein pour bien la mettre à l'intérieur. Troisième, on lâche bien le frein doucement en fin de freinage, puisque comme ça, un moteur central, elle a tendance à partir du train arrière si vous laissez le frein trop longtemps et que vous le lâchez trop rapidement. Ouais, ici on descend à la quatrième. Ici c'est les trajectoires individuelles pour les GT3, comme c'est des virages plus lents, il n'y a pas beaucoup de différence. Toujours bien faire attention à ces réaccélérations, il faut vraiment être très progressif sur l'accélérateur. Ici on descend en troisième, toujours le repère de freinage, le petit chemin sur la droite. Troisième, attention, ici elle a tendance à partir assez à l'extérieur. Au point de freinage habituel. Toujours à accélérer doucement, donc c'est un peu la même histoire. En fait, cette GT3, comme je vous l'ai dit, j'ai pas grand chose à dire puisque c'est une GT3. Globalement, c'est le même point de freinage que d'habitude. Si vous avez l'habitude de rouler GT3,
Juste qu'il faut faire gaffe que ça s'ouvre, donc vraiment être très progressif sur l'accélérateur en sortie et prévoir des trajectoires à l'avance en sachant que ça s'ouvre, donc le point de, où il faut tourner à l'intérieur du virage est plutôt que d'habitude. En gros, donc, voilà. Ici ça passe pas à fond, il faut faire un petit lift aussi, sinon il y aurait moyen de passer à fond, mais avec beaucoup d'entraînement. Ici toujours la deuxième. On va accélérer tranquillement dans ce virage-ci, parce qu'il est bosselé. Deuxième, elle est pas trop méchante dans le carrousel, donc c'est pas trop compliqué. Voilà, on l'éjecte bien. On met bien sur la gauche. On la mène sur la droite. Quatrième, on tient bien la gauche. On garde la quatrième. On gère bien pourquoi monter sur le vibreur à gauche. Troisième, on réaccélère doucement. Cinquième, petit lift. On met la 4. On reste bien sur la gauche, on monte sur le trottoir. Trottoir à droite. On réaccélère. Donc, si j'ai passé la troisième, il y a moyen de passer en quatrième. Si par contre, moi je remets la troisième. Reste bien sur la gauche, freinage, troisième. Bien à l'intérieur, il faut vraiment bien choper les points de corde avec cette voiture, sinon vous sortez vraiment trop large. Troisième, ici pareil, point de corde assez éloigné dans le virage, et en général j'arrive pas à éviter le trottoir avec cette voiture-ci parce que pas assez de grip sur l'avant pour faire ça. Donc petit coup de frein avant, on passe à la quatrième, on gère bien la trajectoire, et on y va. Ici obligé de faire un petit lift en haut, parce qu'encore une fois ça s'ouvre. Ici par contre ça passe à fond. Donc, ici on est tranquille. Là au bout faire attention au freinage parce que l'arrière fout vite le camp. Donc il faut bien lâcher le frein doucement. Troisième. Sort tranquille. Là au bout, petit coup de frein pour mettre le nez, tranquillement, on réaccélère. Ici on gère la trajectoire à l'accélérateur, pour avoir une bonne sortie. Donc voilà un tour qui était peut-être moins détaillé que les autres fois. Parce que je vous l'ai dit, c'est toujours la même chose. Les GT3, ça reste une GT3. Cette voiture, j'ai remarqué que je pilotais beaucoup au pied, c'est-à-dire que comme on a un peu du, comme elle s'ouvre, il faut vraiment corriger souvent les trajectoires, soit en lâchant de l'accélérateur, soit en mettant un petit coup de frein pour mettre le nez à l'intérieur, ce genre de choses. Donc, vraiment moduler les trajectoires au frein par exemple, c'est quelque chose qui est très utile avec cette voiture-ci. Donc c'est une voiture qui se pilotera beaucoup mieux freinage pied gauche. Si vous n'avez pas l'habitude, il faut vraiment vous y mettre. Donc, voilà. Voilà un tour. Qui était pas très bon d'ailleurs, mais en parlant, c'est un peu difficile. Vous allez voir ce que j'ai fait dans le setup maintenant. C'est un setup que j'ai depuis pas mal de temps, donc je me souviens plus exactement ce que j'ai modifié ou pas. Mais bon, je vous le montre, vous regardez, vous prenez pas. Donc ici, qu'est-ce que j'aurais pu modifier? Oui, moi j'enlève la conso, donc je mets le carburant au minimum. Le freinage, je sais plus comment il est, à la base. Il y a un peu d'aéro enlevé, je pense, sur l'aile arrière. À vérifier en fonction de vos setups de base. Transmission à 297 en vitesse finale. Le différentiel de puissance est au minimum. Le roue libre est à 40. Je me demande si c'est pas un cran en plus que le réglage de base. Sur les suspensions, là par contre, je sais plus tout ce qui avait été fait, pas grand chose. Je pense que ça se joue dans la hauteur de caisse, les ressorts et les barres anti-roulis, mais je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de choses de modifier plus haut. Évidemment, les softs, pression à 20. Les amortisseurs, pareil, je me souviens plus exactement ce qui a été fait. Mais bon, voilà, c'est. Et puis, moi, je mets pas de traction control. Peut-être que ça aide pour
pour le sous-virage. Vous me direz si moi j'en mets pas parce que je sens mieux la voiture sans. Mais voilà, et l'ABS sur 8, donc faut savoir que c'est une échelle inversée, donc là en réalité l'ABS est presque au minimum puisque il est à 2 quoi. Donc voilà.